Cause nèg exam nan pays d'Haïti a fait bandian li pap suspend bay problème fanatique Joe Canel journal 9 nèg exam yo même yo kidnappé environ 15 moun jodi an nan bus ki t'a fait trajet port de paix Port-au-Prince ah ben nèg exam sa yo même yo prend moun yo entre commune Gromone ak Bassin Bleu donc son gros coup nèg yo fait là côté nan bus sa ki t'a assuré trajet port de paix Port-au-Prince eh ben nèg yo met la patte sou ti bus lan ki te gen environ 15 moun ladan eh ben nèg yo ala tout moun yo ki te nan bus lan fanatique Joe Canel journal 9 son situation ki grave c'est pour nous ah ben problème nan li pa seulement chita nan Port-au-Prince avec 400 maozo village de Dieu grand ravine ah ben zone Chris la yo tout li pa seulement chita nan région métropolitaine Port-au-Prince lan mais plusieurs zones nan pays li même li envahi a nèg exam ka fè la pluie et le beau temps ki a imposé loi yo a société fanatique Joe Canel journal 9 donc environ 15 moun en seul coup nèg yo met la patte sou yo yo ala avec moun yo dans base yo côté nous connaît eh ben de bout temps les bagages ça au fait c'est fouiller moun yo et puis mander l'argent pour libérer yo fanatique Joe Canel journal 9 donc situation nèg exam nan pays li bay ke kase, li bay ke serré, c'est ça qui fait gen moun qui au même dans diaspora qui prend décision pour pas rentrer dans pays hein à cause de phénomène insécurité hein même si gen l'autre moun qui dit quelque soit gens ça y a toujours font coup de pied pas bon ici malgré risque qui gagne pour victime de phénomène insécurité à dans pays d'Haïti côté autorité yo toujours pour joindre une réponse à problème insécurité ça autorité qui la yo toujours poko ka joine on réponse à problème insécurité ça ka brasse bill population eh bien pendant gouvernement autorité poko ka joine on réponse à problème sécurité hein qui den nou dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ta doit gen un nouveau gouvernement dans tête pays qui est toujours dirigé par Ariel Henry comme premier ministre mais cabinet à lui-même l'a gen changement là-dedans gen plusieurs ministres qui pourrait le perdre job yo là. Il y a plusieurs ministres qui t'en connaissent, yo pas chef encore. C'est ça que fait nous dans les prochaines heures, dans les prochains jours, a un nouveau gouvernement avec de nouvelles têtes dans pays là, dans gouvernement côté des changements gens nous là qui pourrait le faire fanatique Joe Canel journal 9. Ah ben un changement ça qui pourrait le faire là que nous selon information qui sorti premier ministre Ariel Henry, monsieur te chita parler avec plusieurs ministre qui t'a doué alors plusieurs personnalités qui t'a doué gain portefeuille ministériel nan main yo nan nouveau gouvernement fanatique Joe Canel journal 9 donc premier ministre Ariel Henry te chita parler avec yo jodi an la pour garder ki jan yo même yo de mener back en ben ministère pa yo yon façon pour porter réponse ak situation ki la nou konnen yon nan priorité gouvernement sa c'est organiser élection mais pour élection organiser faut problème insécurité li d'abord résoudre fanatique Joe Canel journal 9 parce que en pile zone c'est bandi k'ap commandé en pile zone en ben sou pa bien bandi ou déjà perdu élection déjà perdu vote là en pile zone moun a peur sorti al voter parce que c'est bandi k'ap contrôler centre de vote yo bureau de vote yo dans zone sa yo donc c'est sécurité d'abord avant toute bagay fanatique Joe Canel journal 9 et nan cause échanger gouvernement ça avec Lendou gagnent escouade démocratique lui-même il pas mettre de l'eau dans bouche li OK il pas mettre de l'eau dans bouche li quand il dénoncer une série de nèg dans opposition il dénoncer une série de monde qui eux-mêmes veulent tout pour yo dans gouvernement ça qui pral monter nèg yo c'est partage gâteau qui intéressé yo et ben escouade démocratique dénoncer une série de aloufa il dit qu'il veut faire d'appuyer sur nouveau gouvernement ça qui prend plusieurs postes qui besoin ministre ministère justice ministère intérieur qui besoin plusieurs postes qui besoin direction générale alors que nèg yo même yo fait comme si c'est population à défendre mais squad démocratique dit la campagne quoi contre bagaille ça a fait nèg qui veut tout pour yo ministère justice finance ouais, donc raison des gâteaux qui a séparé oui bon mot ça c'est ça qui a réglé dans tête pays en entendez monsieur qui dans squad démocratique yo qui t'a porté précision sous causer ça nous n'a plus grand problème qui gagné côté tout côté passé son seul problème formation gouvernement ça fait gouvernement pas formé et bien nous même au niveau squad démocratique nous bal bon explication pour formation gouvernement nous apprendre
que gen aloufa politique qui passe 3 jours à dormir dans primati dans négociation moun sa pa jamais la caillou dit tout yo démontre y a défendre peuple pourtant ces affaires pa y a pris yo passe 3 jours à dormir dans primati tellement y a négocié gen yon moun qui dit yon grand manger vous ça dit pour grand manger ou mande 3 postes mon cher li répond si yo bam tout moi t'a pi content là moun sa yo qui sont connait mandé yo mande n'importe 3 ministères yo mande n'importe 5 à 6 directions générales. Il y a marchement des BMP, il y a marchement des ONA pour y aller gagoter la championne. Ça rappelle nous que le président Jovenel Moïse, Théophile a 95% pouvoir pour te quitter seulement 5% pour le peuple. Nèg yo te trapé trois petits, yo rele en moins côté yo pas d'accord. Yo dit c'est tout pour baillou. Eh bien, ou gétan ouais PM Ariel Henry pas t'a monter gouvernement pendant week-end là. Faut me dire nous bien après. C'est n'importe 3 4 5 listes qui gétan chiri la vie. Gouvernement fin monte, oui. C'est tellement aloufa politique ça, yo. Grand manger ça, yo. Moun ta y ka fait semblant travail pour peuple. Yo fait semblant. C'est pour peuple. Et peuple y a défend. Yo. PM la oblige min rivon dans la situation. C'est un mouye qui gagne. Ou après, yo vin oblige comme si chire lis ça, yo. Mais gagne pas 3-4 lis qui fait. Lis yo chire par rapport à bataille qui gagne. Nèg, bon dis nous bien, peuple haïtien. Pas gagne. Nèg yo pas bataille pour peuple, oui. Yo pas bataille pour peuple. C'est affaire intérêt, c'est affaire yo besoin. Moi ministère justice, ministère intérieur, ministère finance, gen gros goumé pour ça. Gen gros goumé pour ça. Et c'est celle nous-mêmes au niveau espoir démocratique qui a campé pour dire peuple là, gen gros goumé pour ministère intérieur, ministère de la justice et bien avec ministère finance. Tellement gen goumé pour ça, nèg yo et pas fait peuple y a pris. Nèg yo t'a demandé un gouvernement de consensus. Je ne yo di a, yo di ou X pas là-dedans, Y pas là-dedans. De quoi pour vous capable de tourner à bloquer pays. N'a dit tout nèg sa yo. Dégagez-nous à bloquer pays. A regarder si nous ka bloquer pays Ariel. A regarder si nous ka bloquer ti moun qui pral l'école. A regarder si nous ka bloquer gaz là encore. A regarder si nous ka bloquer formation pour nous faire yo moui par rapport avec soin pas capable prendre l'hôpital. Parce que tout moun wè se méchant nou ye. Parce que journée jodi a si PM Ariel Henry joine sous ça, c'est grâce à opération de barrer PM Ariel Henry. Dans opération de barrer PM Ariel Henry. Tout le monde qui loin PM Ariel Henry, ouais ces peuples-là, ils ont barré. Ils ont fini par prendre conscience. Ouais, pour les machines gaz passer à l'aise. Tout le monde voyage à l'aise, passer matissant. Et bien, c'est grâce avec une série de monde qui vient amener mais qui prend conscience. Ils ouais ces peuples-là, ils ont fait mal. Ils ont accepté de barrer PM Ariel Henry. Et bien, ouais, je ne dis pas, ne dis pas quoi. Qui compte pour y barrer PM Ariel Henry encore? Il y a barré juste dans la primature. Il y a une série de monde qui dort dans la primature. Il y a une série de monde qui là seulement, ils ont été pour barrer PM Ariel Henry. Et bien, c'est pas démocratique. Et tant que défense ces peuples-là, nous demandons à nous pour obliger pas peuple en souffre. C'est une série politique traditionnelle qui part pour un changement, qui pour un craser brisé. Dès que vous dites que nous n'avons pas le poste ministère de la Justice, ils sont dit pour tout yo. Vous dites que nous n'avons pas l'intérieur, ils sont dit pour tout yo. Ils disent que vous allez bloquer. Et mais allez bloquer, messieurs. Allez bloquer. Parce que nous-mêmes, si c'est un gouvernement de consensus, gouvernement de consensus, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Et bien, dans ça, histoire démocratique dit, faut que ça finisse. Nous avons un dernier bagage qui est important. Nous avons un dernier bagage qui est important. C'est militant qui a mouru dans la rue. Militant qui a mouru dans la rue. Militant qui a mouru dans la rue. Chaque fois que vous prenez un poste, vous cherchez un monde. Vous ne reconnaissez pas, dites tout que les militants ne reconnaissent pas. Yo bay occupé poste là après ça yo dit comme ça yo pa gen poste. Est-ce que nous tande m'a prendre pour nous militant k'ap goumé militant pareil nous militant k'ap touye militant pareil nous yo les nèg yo là négociation yo là yo fin prendre poste yo chercher yon moun yo pa que militant pa reconnaître dit tout yo bay poste là les fin ba moun nan poste là yo dit pas j'aime dit c'est moi même qui baoul et bien y a marché fait comme nous même au niveau espoir démocratique qui en nan cuisine non nous dit militant yo rete tes fouet immédiatement militant Chonmas, militant Belay, militant La Saline, militant Matissan, militant qui dans tout pays a nous mettre tes fouet cité soleil dès que gouvernement fin formé escouade démocratique pour tel ministère mais pour qui moun lié tel direction générale mais pour qui moun lié tel mairie mais pour qui moun lié même qui est tatoué nous-mêmes. Et tant que moi-même, Paul Jean-Baptiste, au niveau de l'espoir démocratique, ou après l'autre monde de l'espoir démocratique,
qui peut obliger faire la relève. Immédiatement, le gouvernement fin formé, n'a fait tout le pays à connaître, tel ministère, n'a même qui m'a nié. Parce que les gens qui ont goûté là, ils ont dit que les films prennent bagarre là, ils ont dit ça, même la primature a dit ça, ils n'ont pas dit si c'est pour moi lié. Oh, oh, escouade démocratique, t'as un côté, vous connaissez. Nous ne pouvons pas perdre job, nous ne pouvons pas perdre rien, nous avons dit, mais pour qui m'a nié. Nous mettons comme si nous voulons. Nous sommes d'accord avec moi. Oui. Frère, moi bien content. Vous m'avez demandé de partager le gâteau qui est pour faire. Pour nous citer quelques noms, quelques chefs. Nous ne pouvons citer ni nom, ni secteur pour le moment. Il y a un peuple qui est au courant. Mais on met le problème soulevé. Depuis où est-ce que vous avez comme ça? Vous avez commencé à démarquer PM Ariel Henry. Vous connaissez les gens qui sont pour ça, qui font travail pour le peuple. Oui, vous comprenez? Je ne veux pas dire là, tout le peuple qui est au courant. Prochaine conférence, Nabdiou, qui monde qui parle, qui secteur qui parle, pays a marché. Nabdou, le gouvernement, met tel ministère, la qui secteur lié, met telle direction générale, la qui secteur lié, met tel parti, met telle mairie, la qui secteur lié. Ou met le point de souffle, nous même au niveau escouade démocratique, et tout le peuple, regardez ça, ça va nous l'envie. Escouade démocratique, défoncez le peuple là. Et bien, Nabdou défend le peuple là, que nous mourir pour le peuple là, ça fait. Voilà, nous sommes des escouades démocratiques qui lui-même t'a parlé. Sous problème séparé gâteau hein, nèg kap goumen pour poste, nèg kap goumen pour pouvoir dans tête paysan là, parce que pral gon nouveau gouvernement nèg kap de ces ministères ça pour bon moins pour al tété mamel lan sous ces mamel là, j'en toujours dou ça Haïti yo fait le nou maman au maman bœuf kap bay let hein nèg kap malgré bœuf là pas gen let encore nèg sous ces jusqu'à ce que c'est sans bœuf là après aller tellement nèg yo même yo kwen dans tété pays ça. Amèk den nou tout gon nouveau bloc qui monte là qui est le GPS, mais son groupe qui là pour travailler sur cause sécurité, tant qu'on a dit ça sécurité là c'est pral un gros défi nouveau gouvernement, nouveau cabinet à lui-même li pral gagner. En ben en tête nouveau bloc ça li gagne Pierre Espérance, nous connaît qui c'est responsable RNDDH. En ben yo fait connait cause insécurité à inquiéter en pile. Et fok autorité ou ki la, autorité ou ki la nan gouvernement, fok yo dégage yo kou met Jean-Jacques, autorité ki nan institution policière la, fok yo dégage yo kou met Jean-Jacques, mette sécurité nan pays ya, parce que pays d'Haïti pas capable encore en koute Pierre Espérance qui t'a parlé comme ça. L'État gen obligation, autorité yo, pou yo protéger vie avec bien, population. Il y a une obligation tout pour renforcer l'institution, faire appliquer la loi. Ça n'a pas vécu en Haïti depuis 2017. Nous n'avons jamais vécu en un pays depuis 1986 après Haïti et la bataille pour renforcer la dictature. Côté que la vie moun banalisée dans la société, la vie n'a pas d'aucune importance pour l'autorité. Autorité, dirigeant, pendant y a joui tout privilège qui lié avec fonction, mais il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas appliqué la loi. Haïti n'a pas fait ZAM avec munitions. ZAM, c'est dans le port, frontière, l'aéroport, il est entré. Et il n'y a pas de nom rien. Je dis à la vivre dans le pays, côté que le pays a gangsterisé. Gang yo, c'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui contrôlent le territoire. Pendant ce temps, il y a affaibli l'institution. C'est ça que fait, je dis, nous ne sommes pas capables même de parler des questions de la monde. Ils ne sont pas considérés nous comme monde. Côté que tout droit citoyen violé. Et pendant que vous avez amis, vous avez fait ça, l'institution ne va pas répondre parce que vous avez une connivence avec l'autorité et l'institution, vous avez même tout
yon pas de moyen et yon victime de insécurité. Voilà, Pierre Espérance qui lui-même t'a porté précision qui c'est yon nan responsable nouveau bloc ça, qui sont bloc sous groupe travail pour sécurité, qui même pral réfléchi sous cause sécurité, hein, qui a brassé bil pays hein, sérieusement, tant qu'on dou ça. Malgré tout ça que fait, malgré tout ça que dit, pas j'aime une amélioration vraie dans cause sécurité. Là où on tibè sous ta dou, est-ce que c'est pas nèg bandi ou nèg examen qui propose ou bien est-ce que c'est autorité ou vle qui font bagay? Est-ce que c'est autorité ou vle qui font bagay? Parce que en pile moun te commence à voye fleur, hein, pour France LB, directeur général police nationale là, mais gidele ou ta dou, est-ce que c'est pas bandi ou qui font replier? Donc là nous autres parlons de kidnapping ça, rap ça qui fait côté Antgoumon, hein, Antgoumon avec Bassin Bleu, côté que nèg exam, yo même yo prend petit bus qui gagne environ 15 moun la donne, yo rentre dans base yo avec les donc causer insécurité, hein, est vraiment sérieux, est vraiment bay problème. Dieu connaît fanatique journal 9. Mais l'autre information, Kidendou, gagne mettre Arnel Remy. Nous sommes policier ça qui Abelson Gonèg qui toujours a cani dans prison depuis ce Jovenel Moïse arrêté monsieur. Monsieur c'était porte-parole SPNH 17, ben monsieur dans prison, ben mettre Arnel Remy faire connaître que gagne avancé qui gagne pour fête dans dossier, gagne très bientôt a une nouvelle date qu'a fixé pour audience yo même yo fait pour statuer sur libération Abelson Gonèg fanatique Joe Canel journal 9. Et monsieur fait connait dans pénitencier national grand pile monde qui malade, grand pile monde qui malade, en pile prisonnier, en pile détenu même il y a malade, il y a fait coronavirus et gain monde qui mouri. Le dragon, je l'appelle dragon, c'est coronavirus qui prend dans pénitencier national, il mouri et il y a plusieurs autres prisonniers qui malade. En dedans prison senti, il pas propre, il pas bien manger. Donc conditions de détention vraiment triste en dedans prison. Hein. Donc mettre Anel Remy t'est attiré attention autorité sur plusieurs sujets en côté mettre Arnel Remy. Dans dossier Abelson Gonèg là, nous te faisons habeas corpus côté doyen te dit tête que li incompétent pour tendre dossier habeas corpus Abelson Gonèg. Et puisque dossier a été pendant par devant le cabinet d'instruction, donc doyen dit li voye requérant pour la faire valoir droit devant cabinet d'instruction. Nous même comme avocat Abelson Gonèg, nous t'ai fait appel, t'ai interjeté appel de décision. Et pour mon cap dit que le dossier en yana qui niveau lié, faut qu'on ait en matière de procédure, les délais sont importants. On pas qu'à agir avant, pas avant que le délai est épuisé. Donc actuellement là, tout délai est fini épuisé. Nous sommes en train d'attendre une ordonnance de la présidente de la cour d'appel qui va le date pour dossier Abelson Gonèg l'an passé. Donc c'est sûr que pendant ma parole là, nous avons un huissier qui dans la cour d'appel qui a affecté à la cour d'appel un grand huissier qui a fait des manches pour ça et sous peu n'a bien pour nous partager avec la presse par les écrites et télévisées la date de fixation de l'audience en habeas corpus de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le doyen en ce qui a trait au policier Abelson Gonèg. Deuxième point, c'est qui ça lié. Deuxième point, c'est question, on dit, condition de détention prisonnier. Et vous comprenez bien que Gilbert Dragon, qui sont suspects, et dans le dossier Jovenel Moïse, mourit. Et de qui ça mourit? Il mourit de COVID-19. Nous-mêmes, comme avocats, qui défendons, comme avocats dans niveau structure, c'est cadeau. Nous inquiétons parce que Gilbert Dragon, c'est un dans pénitencier nationalité. L'ité gagne avec la cellule là, Pasteur Sanon, Corvin, ton ensemble de monde qui était dans même cellule lavel. Et on connaît que Covid, ça son virus qui circule rapidement. Maintenant, on se pose la question, qu'en est-il des autres personnes qui se trouvaient dans les mêmes cellules, dans la même cellule que Gilbert Dragon? Qu'en est-il des autres cellules qui sont voisines de la cellule de Gilbert Dragon? Donc, on imagine aussi virus coronavirus COVID-19, ça, prend circuler en dans prison, ça, en vitesse vertigineuse, nous risquons de commencer à compter cadavres en dans pénitencier national. Nous-mêmes, nous avons toujours dit, dans toute intervention que nous avons fait, faut
bon travail qui fait dans la prison, il faut bon travail d'assainissement. Les cellules ne sont pas propres. Les cellules sont surchargées. En dans une petite cellule de 2 à 5 mètres carrés, on a besoin de 5 jusqu'à 100 personnes. Or que le ministère de la Santé publique dit rete à 1,50 m de l'autre monde pour ne pas prendre Covid. Et les gens qui sont 100, 200 personnes dans une seule cellule. Est-ce que mesure ça pas concerné? Est-ce que c'est pour certaines discriminations à l'endroit de les gens? Nous-mêmes, nous sommes obligés de demander l'État, nous demander Mouché l'État, nous demander ministre de la Santé publique, c'est Marie Tawa, pour prendre des mesures concrètes et pressées. Parce qu'il y a trait à la survie des prisonniers au sein du pénitencier national. C'est très important. Parce que si mesure pas prend, si ENZ parle des décisions pour prendre pressé, nous risquons de compter cadavres. Et nous sommes en prison. Ce n'est pas parce que nous sommes en prison la plus en peine pour retirer le statut de nous, de personne humaine. Mais cependant, il a droit à une dignité humaine. Il a droit au respect de sa vie. Donc c'est dans ce sens-là, cadeau exhorte les autorités concernées pour prendre des dispositions, si vous dératiser, si vous décontaminer, quel que soit ça faire, il faut que vous mettez les prisonniers qui étaient en contact avec Gilbert Delabon en isolement. Il faut que des actes concrets posés pour protéger l'autre monde qui était dans environ, bien dans l'environnement Gilbert Delabon. Donc le droit à la santé est garanti par l'État. Prisonniers ont tout le droit à la santé. Est-ce que prisonniers ont bien cacheté? Non, nous ne connaissons pas. Est-ce que l'hôpital qui est des prisons sont un hôpital qui est adéquat? Non, nous ne connaissons pas. Mais cependant, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous exhortons le ministre de justice, nous exhortons le premier ministre, nous exhortons le doyen, nous exhortons le commissaire gouvernement pour prendre responsabilité pour éviter qu'il y ait trop de cadavres dans le pénitencier national. Alors, troisième point, nous avons parlé, c'est question. Mandat de juge d'instruction qui finit. Bien plus passé 7 à 9 juge d'instruction que mandat a fini. C'est très important. Maintenant, lorsque c'est juge d'instruction, mandat a fini, ça veut dire ça. Ça veut dire que bien de dossiers qui étaient dans le monde, ou pas attendre encore. C'est pas avant que vous renouvelez le mandat. Mais pour qui ça me chita sous question qui impacte fin de mandat en juge? Gagne sous système non mais ça me dit pas là ou bon malheureux qui est 6 ans de prison pardon maintenant mandat juge a fini pas de président maintenant l'habilité de nommer un juge est donnée au président de la république et de là vient un bon handicap institutionnel pour les ministres pas qu'à nommer destruction. Maintenant, pour qui le monde ça a quitté devant le juge d'instruction, pour qui le là, c'est la question qu'on se pose. Et qui est-ce qui a habilité pour nous? Le mandat ou son président? Nous, pour qu'on a expertise, perspective pour nous, bon président. Maintenant, à cause de handicap institutionnel, ça a, le droit de comparaître par devant son juge naturel est violé à répétition. Et il faut comprendre que ça qu'a fait pas aucun rapport pour eux, pas gagner à rien pour eux à respect de monde. Et dans ce sens ça, n'a pas exhorté autorité pour jouer une solution pour essayer pallier à problème ça. Parce que pour qui le renouvellement mandat nous pas connaît. Pour qui le reconduction mandat nous pas connaît. Pas le président. Maintenant, il ne faut pas voir seulement la fin des mandats, mais il faut voir les impacts et les conséquences sur le système judiciaire. Nous avons un système déjà qui a fonctionné en mal macaque. Nous avons un système déjà qui a mal fonctionné. Nous avons un système déjà, nous avons un tribunal qui n'est pas en sécurité. Nous avons un phénomène de détention préventive prolongée. Nous avons une grève tribunal qui n'est pas en sécurité. Et moi, je m'en toujours dit, il faut donner un support infaillible au greffier en chef du tribunal. Mettre aux ordres à il faut aider le doyen pour sécuriser le tribunal là, c'est très voilà, important. Voilà, Fanatique Joe Canel Journal 9, M. Arnel Rémy, qui lui-même t'a parlé sous conditions de détention, prisonnier qui a malade, qui a fait COVID-19, coronavirus et qui a mouru en prison. Fanatique Joe Canel Journal 9, elle t'a parlé sous dossier Abelson Gonéglan.
tout avec plusieurs autres dossiers. Donc là, situation lui-même, c'est qu'on s'allie pas bon shit dans le pays d'Haïti côté principal problème. Dans le plus gros problème, il y a l'insécurité numéro 1 et puis la vie chère numéro 2 dans le pays d'Haïti actuellement. Aucune formule. Déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vide bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail si là n'a campé là avec vidéo ça, pas oublier toujours songer partager vidéo nous dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour encourager. Bel travail Journal 9 lui même l'a fait pour informer population tout partout, tout côté sous planète là, n'a informé, n'a porté bonjour information tout neuf pour n'a campé là avec vidéo ça.